Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Là, je vais vous faire juste la petite introduction. Juste après cette petite introduction, vous aurez un petit morceau de début de tranche de vie, qui finalement, ce ne sera pas une tranche de vie, puisque il y aura un seul et même une seule et même séquence, celle que vous allez voir. À la suite de cette petite séquence, vous aurez un hall. Et aussi, dans le hall, à la fin du hall, vous aurez une explication. Et restez bien à la fin, puisque je vous expliquerai certaines choses. Voilà, vous restez à la fin et vous aurez toutes les explications. Ou alors aller jusqu'à la fin pour savoir ce que je veux vous dire. En tout cas, donc je vous dis à tout de suite pour la suite de la vidéo. Bonjour à tous et à toutes. Et voilà une petite tranche de vie qui commence aujourd'hui. C'est le pied qui est chiant là. Je sais pas si on peut soit mettre plus haut, peut-être pour éviter que vous ayez le pied. Je sais pas si c'est mieux. Ah, bien, ma fille. Un petit peu mieux. Alors, ça va être galère encore pour le montage, ça, parce que je vais être de travers. Bref, donc je profite d'aller à la pharmacie pour ensuite prendre les fournitures scolaires d'Eline directement chez la papeterie, puisque dans notre village, l'avantage, c'est que en fin d'année, on signe un papier et c'est une papeterie qui directement gère les fournitures scolaires. Donc en fait, nous, c'est carrément une papeterie. J'avais dû vous en parler l'année dernière parce que j'avais ouvert le colis. Parce qu'à chaque fois, c'est une papeterie. La papeterie a mis toujours des trucs de marque. La dernière avait des surligneurs Faber Castell, qui sont très bien d'ailleurs, que j'utilise de temps en temps. Voilà. J'ai failli hier vous commencer une tranche de vie, mais j'avoue qu'hier, c'était pas génial en termes de situation, parce que j'étais encore moins en forme qu'aujourd'hui, puisque j'ai vu mon spécialiste et les nouvelles, c'était pas ouf de chez ouf. Oui, j'ai toujours ma tuberculeuse à côté de moi. Eline a une toux qu'elle n'arrive pas à passer, c'est juste infernal. On a tout essayé. On va tenter le Vicks vaporeux là. Donc là on traverse la forêt domaniale en fait, d'à côté de chez moi. Donc petit tour. Alors là par ici, très souvent il y a on a la chance de croiser des cerfs ou des sangliers. Alors quand je dis la chance, c'est quand ils restent sur le côté de la route, hein, bien entendu. Parce que pour ceux qu'on a croisés alors qu'ils traversaient la route, bah, malheureusement l'animal n'a pas été en forme, mais les véhicules non plus. Très belle forêt, comme vous pouvez la constater, hein, vraiment très très sympa. Il y a des belles balades à faire dedans quand on est en forme, avec des endroits où ils ont aménagé
sport sportif. Donc, pour ceux qui sont sportifs, effectivement, en hors saison de licenciés, ça leur arrive d'aller courir en forêt et d'utiliser le parcours sportif pour faire du sport directement dans la forêt, quoi. Donc, c'est pas mal. Actuellement, faire du sport, ça serait chaud. Donc voilà. Mais décidément, voilà, entre là, tous les éternuements, merci. Merci bien. Tiens, hop, tu m'as fait bouger. Ah, puis alors, ces petits trucs-là sur le bord de la route, là, qui font du bruit quand tu passes dessus, qu'est-ce que c'est pénible. Donc voilà pour cette petite balade dans la nature. Donc bah là ça va être une petite séquence pas très longue, mais c'était histoire de débuter cette petite tranche de vie. J'aimerais bien en fonction de ma forme de cette semaine, vous faire une petite vidéo en routine colo, en fait. Comment je me mets à faire un colo, par quoi je commence quand je choisis un colo, comment je me penche sur le colo. Alors en ce moment c'est un petit peu compliqué parce que ma routine elle n'est pas du tout comme d'habitude, puisque d'habitude ma routine c'est je vais dans mon bureau et je m'installe au bureau, etc. Enfin, j'ai toute ma petite routine de colo. Mais là comme je suis, je vis canapé, je mange canapé, je m'assois canapé, je dors pas canapé parce que justement. Ouais, presque, mais justement le sommeil est très compliqué actuellement pour moi. Donc sont un peu particulières et vous montrer comment je m'installe dans le canapé, ça va encore être soumis à jugement des uns et des autres, donc ça m'embête. Parce que oui, ça m'est déjà arrivé d'être jugée sur le fait que je vous avais pris une fois en vidéo dans mon canapé, mais vous manquiez trop, donc j'avais fait une petite... de nous. On s'en fout des autres aussi, on les autres t'importe. Ça c'est une grande réflexion à avoir. Ça pourrait être une grande réflexion à avoir. Enfin bref, la question n'est pas là, on va dire. On est dans la voiture, on est en train de se faire un sujet de philo à deux. S'en foutre ou pas s'en foutre, là est la question. Telle est la question. Non mais c'est quoi la phrase? Être ou ne pas être, telle est la question. Être ou ne pas être, telle est la question. Donc s'en foutre ou pas s'en foutre, telle est la question. Être soi-même et s'en foutre, ou être comme les autres veulent qu'on soit pour plaire aux gens. Philo selon le colo.
Oula, tu parles où? C'est ça. T'aurais pas pu me souffler le temps pour que je m'attache les cheveux, j'ai chaud. Je peux te prêter le mien si tu veux. Mais il va casser, hein. Mes cheveux, ils sont trop épais. Alors, on fait aussi coiffeur maintenant. Coiffeur colo. Colo coiffeur. Mais regarde mon front. C'est du beurre. Oui. C'est du beurre. C'est vrai qu'on sue, mais tout ça pour pas avoir de bruit de la route. Bon, on va arrêter cette philo. Comment, moche. Comment on dit? Cette introspection. Bon, cette question, quoi, c'est... Cette question, cette introspection, cette remise en question, cette remise en question, c'est ça le terme, la remise en question. Enfin bref, donc voilà, là on va s'arrêter dans une papeterie du coup, prendre les fournitures scolaires. Il n'y a pas de clim dans cette voiture. Comment ça, il n'y a pas de clim? Et non, j'ai une voiture sans clim. Et à quoi ça sert ça? Ça c'est un conditionneur d'air, hein. Je crois qu'il faut faire venir l'air de l'Inde extérieur. Bref, on va pas non plus faire un cours de mécanique. Ça c'est vraiment la vie, vie ma vie de maman avec une ado. Voilà. J'ai chaud. Oui. Bon, on va quitter ce rush. Ce rush. Voilà. Je prends rush. L'habitude de tous les... Non, un rush c'est quand tu enlèves. Cette séquence. Je vais stopper cette séquence là, sinon on va partir trop loin et on sera plus du tout dans le colo. Et je vous retrouve plus tard. Bisous. Et voilà, donc je vous retrouve pour un haul. Un haul de multi-canal, on va dire, puisque il y a différentes choses de différents sites. La première chose, j'ai acheté sur Temu. Alors, je crois que Lolicolo a acheté les mêmes et je les avais commandées avant de voir qu'elle les avait. Donc, on doit avoir les mêmes goûts. Parce que je crois que quand j'ai vu sa vidéo, je l'ai mis. C'est ce que j'ai passé commande, il me semble. Donc, je pense qu'elle a dû, qu'on doit avoir les mêmes. Voilà. Donc, les pinceaux très... Et moi, il y a longtemps que j'avais reçu... certains éléments, mais que je vous les ai pas montrés puisque j'attendais vraiment que tout arrive, et comme ça arrivait de différents canaux, voilà. Donc c'est rigolo, quand j'ai vu qu'elle les avait, je crois que c'est les mêmes, ou elles ils sont gris, je sais plus, mais je pense qu'on doit avoir les mêmes. Donc ce sont des pinceaux avec plusieurs tailles, et j'ai vraiment du mal pour les bordures, moi, parfois quand je veux faire des fonds. Donc je me suis dit, bah, j'allais tenter ça. Je ne sais pas les prix. Voilà, sur Temu, en fait, j'avais profité d'une commande, je cherchais un bac à glaçons. Et bac à glaçons, ils étaient à 3 euros quand ils étaient à 16 sur Amazon, pour les mêmes. Donc, bah, j'en ai profité pour, à l'époque, pour prendre les pinceaux. Et il y en a vraiment des tout fins. Et c'est ce qui me plaisait, là, des triple zéro. C'est juste... comment je peux vous montrer ça? Un truc de fou, comment ils sont fins. Donc, moi qui ai toujours du mal pour les rebords, j'espère que ça va m'aider. Donc, les pinceaux. Il va falloir que je fasse un rangement des pinceaux parce que j'en ai de toutes sortes. Je me suis pris aussi un sketchbook. Donc, pour faire des essais sur du papier. Voilà. Pareil, j'en ai profité et je me suis dit que ça servirait aussi à Eline quand elle fait ses essais de dessin. Toujours sur Temu, je me fais une petite palette d'aquarelle sur les conseils de ma copine Roxane. Donc c'est l'aquarelle semi-art. Alors semi-art, j'ai déjà... une palette que j'avais achetée il y a très longtemps sur AliExpress. C'était cette palette-là qui ressemble à s'y méprendre à la palette actuelle de chez Action, avec un petit peu plus de godet.
Je m'en sers depuis longtemps, hein. Vous voyez qu'elle est quand même pas mal utilisée cette palette. Je l'aime beaucoup, je l'aime beaucoup. Donc c'est une marque pour laquelle je suis assez contente. Et Roxane avait acheté celle-ci et elle a les Prima Marketing. Elle m'a montré le nuancier qu'elle a fait. Et celle-ci ressemble énormément à la Prima Marketing Vintage. Voilà. Donc, j'ai pas fait le nuancier puisque, vous voyez, je viens de l'ouvrir. Je les ai depuis longtemps, mais j'attendais, comme je vous disais, d'avoir tout pour vous faire un haul, un seul et unique haul, et pas vous faire 15 000 vidéos. Donc, je ferai le nuancier plus tard. Mais Roxane m'avait montré, et vraiment, ça ressemble à la Prima Marketing. Donc, c'est très bien, parce que je n'avais pas ce type de couleur dans mes aquarelles. Ensuite, toujours sur Temu, j'ai refait une commande de pochoirs parce que j'avais perdu mes arbres que j'avais achetés il y a très longtemps. Je ne sais plus où d'ailleurs. Où est-ce que je les avais achetés, mes trucs d'arbres? Ben, chez Action, je crois. Et au final, je les ai retrouvés depuis. Donc, super. Donc, j'ai pris celui-ci. Enfin, c'est un ensemble. Celui-là, alors celui-ci, même si j'avais déjà l'étoile d'araignée que j'avais acheté au salon Creativa, bah ça m'en fera un autre style. Ça, parce que la dernière fois pour mon summer night, je cherchais ce genre de choses pour faire en fond d'arbre et j'avais pas. Donc maintenant, ça sera chose faite si je veux refaire. Pour refaire les alvéoles. Ça, c'est sympa aussi pour faire un peu un esprit années 70. Ça, c'est pareil. Pour faire un peu des fonds qui sortent de l'ordinaire. Et celui-ci. Voilà. Mais moi, c'était essentiellement pour les effets arbres que je les ai pris. Et encore sur Temu, les pochoirs, c'est vraiment pas excessif. Et franchement, le plastique est quand même beaucoup plus... même si c'est pas épais, c'est beaucoup plus épais que les petits de chez Action. Donc voilà, donc ça c'était pour Temu. Ensuite, je suis allée chez Cultura, mais j'ai rien acheté. Et oui, c'est possible de rien acheter. Pourtant, j'avais un bon de 40 euros, mais c'est Eline qui l'a dépensé pour son dessin. Écoute, hein, il n'y a pas de mal à faire du bien à sa fille, j'ai envie de vous dire. Ensuite, je suis allée chez Action. Donc pareil, j'ai rien acheté sauf ce petit calepin. Qui ressemble vraiment à s'y méprendre à l'effet bois de mes nuanciers de Steph Colo. Et je voudrais me faire un calepin combo. Donc je l'utiliserai comme calepin combo. Voilà. Et en fait, j'ai vraiment craqué. Je crois qu'il était à moins de 2 euros. Mais sur cet effet bois qui ressemble vraiment à mon nuancier, etc. Ensuite, je me suis acheté cette trousse pour avoir des... Parce que mes Prismacolor jusqu'à présent étaient rangés dans une trousse à 3, où on en mettait 3 ou 2. Et bah, j'en avais marre parce qu'à chaque fois que je dérangeais mes Prismas, je ne les retrouvais pas. Donc, il y a des trous. Il faut que je refasse un... J'ai une liste de ce qui me manque, parce que j'en ai en double, mais j'en ai qui me manque vraiment. Donc, il faudra à l'occasion que je fasse du réassort sur mes prismas. C'est mon noir. Comment dirais-je? Donc, j'ai acheté cette trousse-là, donc j'ai pas encore mis le... Serflex hein, pour les fermer comme je veux. Il me reste de la place pour mettre une gamme derrière, donc je sais pas encore ce que je vais y mettre. J'hésite encore sur la gamme que je vais mettre au dos, mais je la trouve trop belle. Je l'ai achetée sur AliExpress et elle m'a coûté 20 euros. Donc franchement, je suis trop contente pour cette trousse. Et à contrario, du coup, j'ai réutilisé ma trousse. Où étaient mes prismas pour mettre mes feutres?
Donc, j'ai mis mes colorias, mes crayolas, pardon, Super Tips, que j'ai numérotés. J'ai refait un nuancier. Et j'ai aussi mis mes Faber-Castell Pen Brush. J'ai acheté 3 lots. Le lot de peau et j'ai 2 lots de manga. Tout simplement puisque j'ai le mystère manga et ça va me servir pour faire mes coloriages. Et je trouve ça beaucoup plus pratique, cette trousse finalement, pour mes feutres plutôt que pour mes crayons. Sachant qu'en plus, cette année, pour la première fois, je vais emmener un coloriage en vacances. Je vais emmener mon coloriage manga. Et comme ça, je prendrai juste la trousse des feutres. Donc, et là, je mettrai mon nuancier. Donc, ça, je rangerai. Donc, je suis trop contente. Je suis contente de ce que j'ai fait. Ensuite, j'ai investi dans une nouvelle gamme de crayons que je ne connais pas du tout. Voilà. C'est la marque Hero. Je la connais pas du tout. Elle me tentait. Donc, je vais la découvrir avec vous. En fait, l'image des crayons me tentait. Je l'ai eue sur AliExpress. Oula! La boîte, elle a mangé. J'espère que les crayons n'ont pas souffert. J'adore le crayon. Alors, crayon très léger, rond. Il sent super bon le bois. Alors, on y lit Professional Class Color Pencil. Donc, couleur 777 de la marque Hero. Donc, ils sont numérotés. Ah non. Ah oui, alors couleur 777, c'est marqué sur tous les crayons. Et après, c'est H036, H035, ok. Donc, ils sont numérotés comme ça. H061, ok. Alors, par contre, ils ont l'air d'être... Il y en a 72. Ah! Pas très pratique, par contre, à attraper au niveau des racks. Bah, écoutez, ils sont rangés. Après, c'est une petite gamme, hein, 72 crayons. On a pas mal de vert, un petit peu de rose, du bleu, un peu de marron. Les mines sont très très grosses. Est-ce que... Non, par contre, ce qui est vachement bien, c'est qu'ils sont déjà rangés. Honnêtement, ouais, c'est là où ça a mangé un peu. Hein. Ça, c'est... n'a pas trop l'air d'avoir trop souffert, mais on voit qu'il y a eu un... Bon, de toute façon, moi, je les range en trousse. C'est pas dramatique. Est-ce que je prends mon petit calepin? Bah oui, je vais prendre le nouveau calepin. Est-ce qu'il est... Pour voir ce que ça donne. Abord, ils sont vergés. Je sais pas trop quoi dire. Par contre, ils sont hyper pigmentés. Hein. Parce que j'appuie pas du tout. Hein. Ça m'a l'air d'être pas trop mal, franchement, pour le prix.
Alors, parce que je vais vous dire le prix après, mais... En rouge, c'est pas mal. J'essaye quoi? Je passe un blanc dessus pour voir ce que ça donne. Ouais, par contre, avec le blanc par-dessus, c'est pas ouf. Ouais, non, c'est pas ouf, ça gratte le papier. Non, ça, c'est pas ouf du tout. C'est pas ouf. Et par contre, si je reprends, je prends ça. Et je vais passer mon drawing blanc pour voir ce que ça donne. Mon papier ou c'est bizarre que ça bouffe même avec le drawing. Mais par contre ça se c'est fou ça. Est-ce que c'est le papier? Je vais changer de papier parce que celui-là il m'a pas l'air d'être génial. Je prends mon petit papier de d'habitude. C'est quoi ce papier là que j'ai utilisé? Par contre, ça c'est vachement bien, c'est pas mal du tout. On va essayer si je prends comme ça. Je vais le tailler parce que ça me plaît pas de la manière dont il s'est taillé. Déjà, premièrement, voilà. En fait, la boîte m'a plu et l'esthétisme du crayon m'a plu aussi. Et du coup, c'est pas mal pour le prix, j'ai envie de vous dire. Alors, le prix, c'est 28 euros. Je les ai achetés 28 euros. Donc, moi, je dis que pour 28 euros, 72 couleurs, bah, écoutez, moi, ça me va bien. Moi ça me va bien. Cette couleur elle me paraissait trop bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire le nuancier et je vous reprendrai après avoir fait le nuancier. Donc, avant de vous faire le nuancier, je continue de vous montrer les achats. Donc, j'ai acheté cette petite table pour pouvoir colorier dans le canapé. Je vous en avais parlé en live et ça avait coupé au moment où je voulais vous la montrer. Donc, je vais vous montrer comment elle fonctionne. Voilà. Donc, en fait, elle se présente comme ça quand vous la recevez. Ensuite, vous avez les pieds qui se descendent ou qui se lèvent. Alors, en fonction de la hauteur que vous voulez le mettre. Donc, voilà. Donc, moi, elles sont mises comme ça par rapport, ouais, pour mon canapé. Ensuite, toc, toc, toc. Alors, je ne sais pas du coup si elle va rentrer encore dedans. Elle se lève comme ça. Donc, en fait, vous avez un petit pied, en fait, vous savez, comme les transats hein, à la plage. Et vous mettez selon la hauteur que vous avez besoin. Voilà. Ici, vous avez un petit tiroir.
et vous pouvez mettre votre rebord pour quand vous posez votre colo. Voilà, par exemple. Donc, alors vous allez me dire, mais elle a des trous. Mais de toute façon, moi je mets toujours un support en dessous, un livre de colo ou un paquet de feuilles de brouillon, etc. Donc ça ne me dérange pas et je la trouvais vraiment très jolie. Bon, vous pouvez, si vous faites de l'aquarelle, mettre votre petit pot d'eau, voilà, sur ce petit endroit. Bon, je vais la rabaisser pour que vous voyez plus. Toc, toc. Vous voyez plus à quoi elle ressemble, voilà. Hop, vous êtes en train de... Je sais pas si vous voyez un peu, voilà. Donc, bah écoutez, comme je vais être... je suis actuellement beaucoup dans le canapé et je pense que je vais y être encore quelques petits moments. Bah, elle me sert bien en tout cas et bah, c'est bien pratique. Donc voilà pour cette... Voilà. Donc bah, je vous reprends après le nuancier. Voilà. Donc je vous reprends par rapport... Je vous reprends par rapport à quoi ? Par rapport au nuancier que j'ai fait, mais que je ne retrouve pas, bien entendu. Parce que figurez-vous qu'il m'est arrivé une aventure. C'est que j'ai fait le nuancier. Mais comme j'ai écrit au friction effaçable, quand je l'ai plastifié, en fait, je vais vous montrer sur... le nuancier des feutres, ce que ça a donné. Et puis, ça aurait été sympa que je retrouve l'autre. C'est pas grave. Celui-là, c'est bon. Voilà. Donc, mes feutres sont un peu en bazar parce que, vous voyez, en fait, ils étaient écrits. Et puis, bah, avec le... avec le... la plastifieuse, ça s'est effacé. Et donc pour les crayons, j'avais fait pareil. Et puis, bah, ça s'est effacé. Alors, c'est très embêtant. Et puis en plus, je ne sais pas pourquoi, mais je l'ai rangé hier. Et comme d'habitude, comme je me balade entre le salon et le bureau pour filmer, je ne sais pas où est mon nuancier. Ça m'embête. En même temps, ça fait deux fois que je tourne la vidéo. Parce que j'avais plein de choses à vous dire, j'en ai oublié, et puis il y a des choses que du coup je m'étais encore embarquée dans des explications et ça va être encore mal interprété, donc j'ai tout effacé. Donc on va recommencer et puis bah, je suis embêtée. Voilà. Ça me saoule parce que ah, mais je sais, je crois que je l'ai rangé dans le nuancier. Et oui. Voilà, il est là. Donc, voilà, j'ai retrouvé mon nuancier. Donc, 72 couleurs. On n'est pas sur, sur un nuancier de ouf. Moi, il y a des couleurs que j'adore. Donc, j'adore le... Alors, du coup, il n'y a plus les numéros, c'est formidable. J'adore le 68. J'adore le 27. J'adore le 35 parce que en fait c'est une espèce de couleur or mais qui n'est pas or, qui fait un... Je sais pas quelle couleur je pourrais vous dire. Bon, après avec le plastique ça va peut-être être pas ouf. En tout cas, moi, les couleurs, je les aime beaucoup. Je trouve qu'elles se complètent parfaitement avec d'autres gammes, avec quelques petites couleurs supplémentaires. On ne va pas se mentir, je ne les ai pas achetées par besoin. Je les ai achetées parce que le crayon me plaisait. Je sais, c'est bête, mais c'est comme ça. Au niveau des couleurs peau, on ne va pas inventer une vie à ces crayons. C'est pas... C'est pas fait pour. Globalement, moi, ils vont certainement me servir aussi à retravailler mes mystères manga. Tout simplement.
Par contre, j'avais fait un essai hier et je trouve qu'il se mélange très très bien. Alors, j'avais dû prendre celui-là, celui-là et celui-là de mémoire. Voilà. Et au niveau de l'essai, j'en suis pas tombée amoureuse comme quand j'ai acheté les Nioni et sur lequel immédiatement j'ai flashé de chez Flashé. Mais je les aime bien. Franchement, j'ai pas encore fait un colo avec hein, entièrement. Vous voyez, pour une moyenne gamme, je trouve qu'on passe quand même un paquet de fois et ça sature pas encore. Voilà. Après, j'ai peut-être pas, je suis peut-être pas descendue assez pour que vous voyez la différence de couleur. J'aime bien les couleurs et donc si je passe là un petit coin de blanc, on n'est pas sur du haut de gamme, mais ça fait son taf pour une gamme à 28 euros. La boîte de 72, honnêtement, moi, ils me vont très bien pour ce que je vais m'en servir. Et encore une fois, la couleur me plaît. La couleur, le crayon, j'adore. Franchement, je suis trop contente de cet esthétisme de crayon. Et ils sont pas... C'est du bon bois hein, quand même. Hein. Quand on regarde bien le taillage de la mine, la couleur du bois. Écoutez, c'est la mine n'est peut-être pas ouf de chez ouf au niveau pigment. On verra avec le temps. Mais le crayon en lui-même, il est beau. Il sent bon. Il sent vraiment le bon bois. Il est pas cheap à la main. Voilà quoi, moi je. Enfin, vous allez me dire, mais on cherche pas d'un crayon qui pète dans la trousse, mais moi j'adore. Ça c'est mon amour pour les crayons, hein, je pense qui parle là, complètement, complètement. Ça demanderait à avoir un peu plus de couleurs, je pense, pour élargir la gamme. Mais voilà, c'est un complément de gamme, on va dire, pour moi. En tout cas, c'est comme ça que je l'utiliserai. Donc, je suis contente, en tout cas, de cette acquisition. Donc, ça, c'était la première chose. La deuxième chose que je voulais vous dire, on m'a fait remonter une information. Ça fait 2-3 fois que je dois vous en parler et à chaque fois je finis mes vidéos, je suis mince, j'ai oublié d'en parler. J'ai une abonnée qui m'a mis un message qui s'est fait squeezer.
Elle vient me voir un soir. Elle me dit pourquoi pourquoi tu as effacé mon message? Je dis, mais j'ai rien effacé du tout, je n'ai même pas vu le message passer. Elle me dit, bah, j'ai mis un message. Honnêtement, je ne sais même plus quelle était la teneur du message, mais alors il n'y avait rien de. Alors, c'était ni un message méchant, ni un message avec des vulgarités, ni un message. Voilà. Je lui ai dit, bah, réessaie de le mettre, on va voir. Boum, à peine mis, à peine supprimé par, par YouTube. Donc là, je me suis dit, il y a un problème. En plus, il n'y avait pas de, enfin, pas d'avis qui pouvait être discriminant ou quoi que ce soit. Donc, j'ai pas compris. Donc, du coup, elle a abandonné de me mettre le message. Mais heureusement, elle a eu la bonne idée de venir m'en parler. Parce que tout de suite, je lui ai dit, mais le problème, c'est que si ça t'est arrivé à toi, c'est peut-être arrivé à d'autres personnes. Donc, alors, si vous êtes encore dans mes abonnés et vous avez eu des messages qui ont été retirés, sachant que ce n'est pas moi, que ce soit des messages qui me plaisent ou qui ne me plaisent pas, je les laisse. J'ai toujours tout laissé. J'ai laissé, depuis que j'ai ouvert ma chaîne jusqu'à aujourd'hui, j'ai laissé toutes mes vidéos. Qu'elles soient positives, négatives, qu'il y ait quelque chose. Je n'ai rien à vous cacher. Je n'ai jamais rien eu à vous cacher. Si vous revenez en arrière et que vous regardez la toute première vidéo que j'ai postée il y a bientôt maintenant 2 ans, je vous ai dit que moi je faisais une chaîne pour apporter du bonheur aux gens. Et que je ne vous mentirai pas, en fait, à chaque fois. Dans toutes mes vidéos, ça a toujours été ça. Vous êtes au courant de tout. Et je n'ai absolument rien à cacher. Je n'ai rien à me reprocher. J'ai toujours eu ma conscience pour moi. Je n'ai jamais fait de mal à personne. Quand il s'est passé des choses, ça a été de la défense, uniquement. Donc ça, il faut que vous en soyez conscient. C'est pourquoi je n'effacerai jamais aucun message qui soit... Alors, bien entendu, si c'est un message qui est complètement diffamatoire, j'y réponds, voilà. Mais je ne l'effacerai pas. Parce que vous avez le droit de penser ce que vous pensez, mais j'ai le droit de répondre. Et quand je réponds toujours avec des preuves. Voilà. Ça, c'est la première chose. La seule chose qui pourrait me faire effacer un message, c'est qu'il soit vulgaire. Mais c'est même pas moi qui le ferai, parce que je pense que dès lors où c'est un message vulgaire, c'est YouTube qui gère. Donc voilà, ça, c'était la première chose. Donc, je voulais vous en parler. Alors, si vous, ça vous est arrivé, venez me le dire, premièrement, parce que je préfère que les choses soient dites plutôt qu'il y ait un malentendu. Et si ça ne vous est pas arrivé à vous, mais que vous avez entendu parler, quelqu'un qui vous dit « Oui, alors Virgin Colo, moi j'ai voulu lui mettre un message, elle me l'a effacé, machin, elle est pas ouverte, etc. » Merci de m'en faire part aussi, parce que c'est totalement faux. Je n'ai absolument jamais, au grand jamais, effacé quoi que ce soit. Que ce soit des vidéos ou des messages. Ensuite, la deuxième chose, lors de mon dernier live, je vous ai parlé du groupe qui s'appelle Partage Técolo. Nous étions partis sur le groupe Le Club des 6, où vous aviez Gribouille, Ago, Mélissa, Nabaya et moi dans ce groupe. En fait, le groupe, il a une vocation un peu différente que celle dans l'euphorie du live. Je ne suis pas allée dans le détail de la description de ce groupe. C'est un groupe particulier. C'est un groupe, en fait, où on met l'accent essentiellement sur les artistes que nous colorions, nous 6, puisqu'on s'est aperçu qu'on avait à peu près les mêmes goûts.
quelques petites choses à part. Et surtout pour mettre l'accent sur des nouveaux illustrateurs. Voilà. Donc c'est un groupe un peu plus select, on va dire, que qu'un groupe lambda où on peut mettre tous les colos dedans. Voilà. Donc quand vous postez un colo, s'il n'est pas validé, c'est qu'il n'est pas référencé dans la liste des artistes qui font partie de ce groupe-là. Voilà. Depuis lors, puisque ça avait mal été interprété et mal expliqué, ce groupe, il y a eu, vous pourrez constater avec Ago et Gribouille, un autre groupe plus intimiste, où là, c'est un petit peu plus la foire au colo, j'ai envie de dire, où il y a un petit peu plus de tout, tout artiste mélangé. Attention. Il n'y a aucune discrimination dans ce groupe, c'est juste un groupe qui recense nos différents challenges de nous six. Le Tago Inc, l'Odyssée Félipon, le groupe de Kevin, l'avancée des livres de Kevin, Melsou, Maud Lamoine, Sakuems, voilà. Des illustrateurs, soit qui n'ont pas de groupe Facebook, soit qui ont un groupe Facebook, mais qui est géré par nous-mêmes. Soit par moi, soit par Mélissa, soit par Ago et Gaïbo. Voilà, tout simplement. Ça, c'était la deuxième chose que je voulais vous dire. J'essaye de rassembler mes idées parce que j'ai tourné à plusieurs reprises cette vidéo, parce que je veux que les choses soient claires sur les différents points évoqués et je veux surtout pas que tout soit mal interprété parce que malheureusement l'art thérapie qui est censée être de la thérapie par le coloriage et la mise en couleur s'est transformée en quelque chose qui ne correspond plus à l'art thérapie à mes yeux. Et du coup, je suis obligée de bien tout expliquer, sinon c'est toujours mal interprété et retourné dans des histoires pas possibles. Voilà. La troisième chose que je voulais vous dire a un rapport avec ce que je viens de dire précédemment. Quand j'ai commencé le colo, quand j'ai commencé ma chaîne, je suis partie sur une idée d'art-thérapie, d'accord, pour soigner un mal-être. Je vous l'ai expliqué, j'avais besoin de ça pour me sortir d'un état de mal-être psychologique dû au burn-out et j'avais en besoin d'être accompagnée par des gens aussi bienveillants et je cherchais une communauté bienveillante. Et un YouTube bienveillant pour pouvoir évacuer tout le mal-être. Bon. Il s'est avéré que c'est pas vraiment ce que j'ai trouvé sur YouTube et j'étais pas préparée à ça au niveau des réseaux sociaux. Passons. Suite à tout ça, il s'est avéré que j'ai eu un petit problème de santé, une vésicule biliaire sans prétention, hein, voilà un petit truc, qui a dégénéré en fait. Cette maladie en fait on a découlé d'autres choses. Pendant cette période où j'ai eu la vésicule biliaire et ensuite où je me suis retrouvée alitée dans mon canapé, je me suis retrouvée encore confrontée aux réseaux sociaux et leurs travers, aux critiques de elle va pas nous montrer qu'elle est malade, voilà. Bref, elle est dans son canapé, elle montre qu'elle est malade, on n'a pas besoin de ça sur les réseaux, etc. Bon, je peux comprendre que ça peut faire du mal à des gens, enfin, pas faire du mal, mais que ça peut gêner des gens de me voir malade. Bon, donc j'essaye d'être le moins possible par rapport à ça. Mais d'un autre côté, ma chaîne, c'est le partage et l'entraide. Donc, si ce que je vis peut aider d'autres gens, je ne peux pas le cacher. Parce que ça ne serait pas moi, en fait, tout simplement. Bref.
Je me suis retapée, j'ai repris du poil de la bête, j'ai repris à fond les lives, les trucs, les machins, j'ai repris ma chaîne à bras-le-corps, je me suis lancée, et il y a encore eu des choses qui se sont passées, vous avez pu voir des posts passés, machin, bref. C'est pas grave, j'ai tenu bon et j'ai dit, advienne que pourra, ma chaîne, c'est pour aider les gens, le bien-être, le partage, les réseaux, YouTube, l'art-thérapie, c'est vraiment pour s'aider, on s'en fout du niveau, on partage, etc. Bon, manifestement, non, on s'en fout pas du niveau. Passe encore. Autre chose à s'occuper, donc passe encore. Et puis, dernièrement, j'étais là et puis j'ai fait tout, 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 tout. Voilà. Parce que j'ai eu à nouveau des douleurs, j'ai cherché le pourquoi, le comment. C'est compliqué, je me suis débattue avec des problèmes de réseaux sociaux, en Tsum-Tsum, etc. Je continue à me battre. Et puis arrive là où la santé me rattrape et le psychologique me rattrape. Donc pour éviter le psychologique, je me suis éloignée des lives des uns et des autres pour retrouver une plénitude. Parce qu'on ne voit pas toujours, mais dans les chats, dans les lives, il se passe des choses, c'est pas toujours... du plus sympa. Et du coup je me suis dit écoute, pour mieux aller, tu vas t'éloigner des lives et tu vas te reconcentrer sur toi, ce que tu as besoin dans l'art thérapie, le colo, ton niveau ou pas ton niveau, on s'en fout, fais-toi du bien, mais partage, parce que j'ai plein de messages et je vous remercie tous les messages où les gens reconnaissent la personne que je suis en quelqu'un qui aime le partage et qui fait tout pour aider. Rien que pour vous, j'ai tenu, j'ai fait mes lives, je suis passée outre les petits coups d'aiguille par-ci par-là. C'est pas grave, le but c'était de partager. Et puis la santé est revenue me titiller, le moral est retombé. Et je ne suis pas là pour vous apporter justement du mauvais. Donc, puisque je ne veux pas vous apporter du mauvais et que ma chaîne est une chaîne où je veux vous apporter du bien et de l'aide, j'ai décidé de ne plus faire de live, en tout cas sur toute cette période estivale. Voilà. Je vais laisser passer là, donc on est fin juillet, au moins tout le mois d'août, de toute façon il va y avoir les vacances, si je peux partir. Et une fois que je serai revenue de vacances, que je saurai où j'en suis en termes de santé, je referai des vrais lives. Je ne dis pas que je ne ferai plus de live du tout, entendons-nous bien. Le live du mardi soir va être suspendu, en tout cas pendant une période. Si certains sont d'accord pour que je fasse de temps en temps un petit live TikTok ou Insta ou YouTube de mon canapé, entre guillemets, de là où je peux avoir moins de douleur, je le ferai pour vous. C'est-à-dire que n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Oui Virginie, ça ne nous dérange pas de passer un petit moment avec toi. Et même si tu n'es pas à ton bureau, voilà. Si ça vous gêne, il n'y a pas de problème, vous me le dites aussi. Je préfère qu'on me dise les choses en me disant « Oh ben non, c'est pas cool de te voir comme ça, ça nous, voilà, le moral, ça ne nous aide pas ». Plutôt que ce soit dit derrière en disant « Oh bah celle-là, faut pas aller sur sa chaîne parce que de toute façon, c'est que du pleur dans les chaumières et de la maladie. » Je préfère largement que les choses soient dites gentiment et que ce soit en privé ou sous la vidéo. Peu importe, je vous ai toujours dit, moi je suis ouverte à la discussion, mais pas de pique par derrière, ça sert à rien et c'est ridicule en fait.
c'est ridicule et en fait c'est encore pire parce que on est toujours mieux de discuter les choses en face plutôt que d'aller inventer des choses. Moi je préfère qu'on vienne me dire ah bah Virginie, t'as pas vu mon message, je t'ai envoyé un message sur Insta, tu l'as pas vu, plutôt que ce soit quelqu'un d'autre qui vienne me voir en me disant ah bah telle personne, elle t'a dit, elle a dit que bah t'étais vraiment hautaine parce que tu lui avais pas commenté son Insta. Je trouve ça ridicule, franchement, je trouve ça ridicule. Moi ça me fait de la peine qu'on pense que je sois, alors que j'essaye vraiment de mettre des messages dès que je vois quelque chose, de mettre un like ou un message en fonction du temps qui m'est imparti. Toujours, toujours, toujours. Si vous n'avez pas soit un like, soit un message de moi sur une sur un post où je suis identifiée ou pas, c'est que c'est passé à la trappe parce que je prends le soin de le faire à chaque fois. C'est vraiment mon... Je suis comme ça, je suis comme ça. Donc, allez pas m'inventer une vie qui n'est pas la mienne. Allez pas inventer une vie en disant ah bah Virginie machin ou bah je suis Virginie machin. Je ne suis pas comme ça. Je ne peux pas. Et m'inventer des vies comme ça systématiquement depuis 2 ans, c'est épuisant. Et j'ai autre chose à gérer que ça parce que je dois me battre contre autre chose que de ça. Voilà, tout simplement. Donc, voilà, c'était des petites choses. Alors, il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas de plainte. C'est juste une remise en lumière sur qui je suis réellement. Parce que c'est vrai qu'il y a 2 ans, j'ai fait une présentation de moi, mais c'est facile de dire les choses sur une première vidéo. Après, le temps passe. C'est aux gens de se découvrir, hein, toujours, hein, il y a les actes et il y a les gestes. Moi, j'ai toujours été moi et j'ai jamais menti. J'ai toujours dit les choses. J'ai toujours dit les choses, que je sois heureuse, que je sois malheureuse. Je n'ai jamais boycotté personne. Je n'ai jamais dit rien sur personne. Quand j'ai dit les choses, c'est qu'on m'a demandé et que j'ai expliqué les éléments, mais factuellement et avec preuve. Point barre. C'est tout. Donc voilà, on va pas tourner autour du pot pendant 107 ans. Moi, le coloriage, c'est de l'art-thérapie. Non, je suis pas une artiste, mais par contre, j'ai besoin de thérapie. Le coloriage, ça s'appelle de l'art, puisque c'est que ce soit du dessin, du colo, etc., ça fait partie des arts plastiques. Et du coup... Non, je ne vais pas exposer, je ne compte pas exposer. Non, je ne fais pas des colos de ressemblant à Monet ou voilà. Mais je fais de l'art plastique avec des feutres et des crayons et je me fais du bien. Et j'en ai besoin. Donc, tout simplement. Voilà. Je pense que je n'ai rien oublié. J'espère n'avoir rien oublié. Donc... je n'arrête pas YouTube, je n'arrête pas ma chaîne, j'ai juste besoin de recentrer certaines choses, entre guillemets, parce que recentrer, qu'est-ce que recentrer? Non, j'ai juste besoin de vous expliquer que, oui, vous m'avez vu beaucoup sur plein de lives, parce que je voulais toujours faire plaisir à tout le monde en allant sur les lives des gens. Manifestement, les gens ne voient pas ça comme ça. Donc, bah, si c'est pour arriver sur un live et pas être bien, ça n'a aucun intérêt. La thérapie, c'est pour être bien, d'accord? Donc, jusqu'à présent, j'avais mis vraiment un holà sur les lives. Donc, maintenant, j'irai sur de temps en temps quelques lives. Et puis, bah, si je me sens pas bien sur ce live, bah, je repars et puis c'est tout. Voilà, c'est terminé d'essayer de faire plaisir à tout le monde et au final d'être malheureux au fond de soi parce que on n'a pas tous la même vision de qu'est-ce que la thérapie et qu'est-ce que la gentillesse et qu'est-ce que le bien-être et qu'est-ce qu'être vrai. Voilà, on n'a pas tous la même vision des choses. Donc le but... moi, le but, c'est ça, c'est d'être entourée des gens que j'aime et de me faire plaisir et de partager et d'apporter tout ce que je peux apporter à ceux que je peux apporter qui vont le prendre comme du bien-être
et qui ne vont pas aller s'inventer ou m'inventer une vie qui n'est pas la mienne. Voilà. Bref, ça c'était le truc. J'avais besoin de le dire, c'est important aussi pour le reste de la thérapie. Voilà. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour, hein. On a fait le tour du hall, on a fait le tour de comment va se passer pour l'instant l'été. Et puis, ça change rien, hein. De toute façon, mes projets que j'avais évoqués avec vous il n'y a pas si longtemps que ça, ils sont toujours d'actualité. Sauf que forcément, c'est du projet à long terme, puisque ça se travaille. Je ne vais pas vous sortir quelque chose comme ça, sorti de mon chapeau. Vous savez très bien, je vous l'ai déjà dit, que quand je fais quelque chose, je veux le faire bien. Et pour qu'il soit bien fait, il faut qu'il soit travaillé. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, parce que de toute façon, il y aura quand même la vidéo d'écolo terminée. La vidéo de la liste des colos prévus, même si ce serait une toute petite liste, puisque le mois d'août va être vraiment très court. Donc, je pense que sur le mois d'août, je prévoirai peut-être pas grand-chose. Par contre, je vous proposerai toujours la name page du mois, toujours l'astro kawaii, on arrive sur la fin. Et toujours, du coup, enfin, nouvellement, un colo Melsu. Un colo de French artiste en fait, un colo Melsu, un colo Maude, un colo SACUEMS et un colo Emmanuel. Voilà, tout simplement, ça sera 4 colos au choix. Les gens feront ce qu'ils veulent. Vous suivez, vous suivez, vous suivez pas, vous suivez pas. Vous faites comme vous voulez. Je vous expliquerai ça, tout ça, dans la liste des colos prévus pour le mois d'août. En tout cas, moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous, bisous.